Soucieux du développement de Kikélé, un village situé à 7 km de Basila Centre, les filles et fils de la localité se retrouvent pour réfléchir sur les mots comme l'absence d'infrastructures routières adéquates, le manque d'électrification, d'où ce cri de cœur des congressistes. Au conseil communal de Basila, nous espérons de votre mandature non seulement l'électrification de la ville de Kikélé, mais aussi l'aménagement de la route Basila, Kikélé, Bétérou. Chers cadres opérateurs économiques originaires de Kikélé, notre volonté de mieux faire est toujours là, mais votre accompagnement sera toujours là bienvenu. La 28e édition de l'Assemblée générale marque également la fête de l'Iyam ou Essan, une festivité riche en pratiques culturelles et culturelles. La présente fête traditionnelle des Iyam a tout son sens. De réelles actions seront mises en œuvre sous peu par le conseil communal pour faire de Kikélé une destination touristique riche et forte de son caractère culturel et cultuel. En adéquation avec le programme d'action du gouvernement de Patrice Talon, qui a d'ailleurs réservé une place de choix à la valorisation de nos sites touristiques et nos valeurs ancestrales. Pour le président de l'association de développement du village de Kikélé, la localité mérite une place de choix en termes de tourisme. La forêt sacrée des singes magistrats. C'est des singes rares, donc c'est des richesses et qui peuvent aussi profiter même au Bénin et non seulement à Kikélé. Les questions de logement des étudiants de Kikélé résidant à Calavi, puis l'aide du gouvernement à la fête traditionnelle Essan ont été abordées avant la fin des manifestations au crépuscule.